Nandia Congo Live Télévision, tu coutani lelo pour que to ebako ta la situation ko le Kanaka de République démocratique du Congo lelo oyo question monene ezali au sein ya opinion congolaise, opinion publique ezali ya koyeba République démocratique du Congo mboka na biso, est-ce que développement ezali lelo oyo envisagé au sein ya classe politique ya République démocratique du Congo et pa yo apito komi tout na ba question lelo oyo République démocratique du Congo, est-ce que développement, émergence, ils allaient dans ici quand ayango na katia mboka oyo, ils allaient ba question oyo belé belé oyo ba congolais ba komi tout na pe na banza été na émission lelo tant soit peu tokoka kozwa mo biano na oyo etali développement pe émergence ya mboka na biso parce que belé ba koloba été mboka oyo et ko bungate ba prophète oyo to benga ba prophète de malheur ba susu ba koloba été mboka oyo toko bungaka ka ba susu ba koloba été au moins toko atteindre au moins seuil oyo ko permettre biso tokoka ko vivre malamu na banza été ba questionnement yo soana et kozwa au moins biano na yango na émission na biso lelo et pai wapi toko solola na oyo Itali, élection na kati République démocratique du Congo. Élection et commissaire y a ba famille et commissaire y a ba suppléant ou bazali kolanda bandeko. Mais est-ce que utilité y a ba militant topé y a ba cadre y a ba parti politique ezali nini? Na banza été na kati émission lelo tokota la yango parce que est-ce que ezali na loi oyo Eko peki sa ete ba membre ya famille balanda comme ba suppléant seni alobi nini quant à situation wana na banza ete nyonso wana to komeka un peu ko développer yango tout à la paix de fille et puis perspective ya ba élection parce que élection na kati ya République démocratique du Congo dans la ka toujours contesté et singil to sala nini pour que élection dans la contesté te na kati ya République démocratique du Congo na banza ite zali ba thématique ko to développer na émission na biso lelo tout à la boni boni était procureur pe justice ya mboka na biso et surprendre famille ya Chiribo Okende na autopsie we salemaki mokolo ya mercredi assassinat Chiribo Okende to ko kende na yango wapi pe to komi wapi ibongo to ko tala lolenge kani Tokobeta masolo ya avenir ya jeunesse et République démocratique du Congo. Ce qui était avenir, ce qui était relève, ya pays na biso ezali ya malonga. Parce que balobaka na biso ete toyebi yango na badage lobaka na biso ete avenir ya mboka mobimba ezali jeunesse. Est-ce que jeunesse ezali réellement, jeunesse congolaise ezali réellement et ko assurer to ko ya assumer avenir ya République démocratique du Congo? Na banza ite tuzali na moto o esengeli pona mituna o nyoso ezali ko tuna ma awa pe mituna o bino boko komela gabiso parce que to baga toujours te Congo Live Télévision au cœur de l'information to ko bimisela bino ba information oyo biso to ko zwaka na source et puis na bato oyo esengeli na place esengeli tozali bongo na maintenant mwana mboka et jeune Kandolo oyo ayebani comme formateur, coach, motivateur. Nous sommes Sengeli et le monde aille tout partager ma sujet et je m'en vais dire et saluer mais monsieur Eugène Kandolo. Bonjour Mbote Monamboka, merci mingi pour l'invitation na yo na plateau na yo. Na banza yete tout partager monsieur yo français lingala pour que ba congolais ba comprendre la quintessence ya makambo nyo sur le Kanaka de la République démocratique du Congo et bongo Lelo oyo santé politique à République démocratique du Congo étant que moi na mboko ko vivre na kati République démocratique du Congo santé politique à République démocratique du Congo et ko interpeller au nom. Bon santé politique et ça dans la logique ya makam oyo mboko ezo vivre depuis 60 hein, donc c'est une santé politique liée à la position même il y a mboko na biso lié à des pressions notamment extérieures et des manipulations à certains niveaux mais aussi c'est une santé politique au yezo la kisapena que non démocratie bien que vouée et que batutu bazoluka était mboko etambola ndenge et longobani il y a de soubresauts imboka oyo basalaka politique chacun selon ses opinions il essaie un peu de tirer les draps de son côté mais ce qui est important c'est que
ezali ba bouillonnement oyo et ezalaka. Donc santé politique ezanaba haut et les bas. Donc c'est pas une santé politique qui a température stable dans ce tokoloba bon. Et ça c'est tout à fait normal na dynamisme ya vie. On ne peut pas avoir une stabilité en termes de température parce que ils a choc y a ba idée, ils a choc y a ba opinion. Yamabe ils a que ba mususu ba ko kota na ba débat wana na mité mamabe ou soit na ba agenda caché ou ezali réellement té pour na intérêt ya moka. Deux fois ce sont des marionnettes utilisées par des officines non avouées à Libanda ba ou pena ba zoluka ba tika Congo ezala toujours asphyxié ndenge ba lobaka donc na se ya mai ba simbi Congo na sima mutu ba fini pena mutu ezana se ya mai. Donc il y a des gens comme ça qui ont un discours ambigu aux yeux des gens, ils montrent que bangonde bakoko mais ma solution na mboka, mais en réalité leur démarche trahit sur la conscience mais aussi sur la démarche, parce que toko monake ils répondent aux agendas qui ne sont pas en réalité il y a développement ya Congo. Mais lelo oyo je pense que na ko rejoindre yo na ba dire na yo ko ba lelo yo na population congolaise. Est-ce que aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi incarne la bonne gouvernance en République démocratique du Congo? En tout cas, il est l'homme oyo et sengela ki tozanae pour le moment. Je l'ai dit comme ça brutalement parce que au regard il y a jeu politique ningeza, je crois que la providence il y a Nzambe et ça là qui est vraiment la personne Oyopena en ce moment qui était vraiment indiquée Isaïe et on le voit à travers bah effort rebellé à Kosala Azamutu Azana ba défaut Azana ba limite naie en tant que Mutu Azana ba jugement qui peuvent être subjectifs selon les angles de vue mais Kotala na génération na bango na ndenge ba bundela ki soko tali pena bien et koza sincère ou ko monake et il est la personne la mieux indiquée na moment où pour incarner le Congo. Donc lukuta mabete tokende na hein na ba jeu ya ba sentimenté. Donc soko tali bien, il est la personne que ce soit en termes ya koluka kimia, que ce soit en termes ya monter ma monnaie ne ko surmonter makamusu, que ce soit en termes ya tolérance vis-à-vis ya ba critique, vis-à-vis ya ba nini, il incarne dans une certaine mesure Oyo et za pour le moment, parce que Congo est zambo kamo ezana transition, on a une histoire où tozo construit progressivement et dans cette histoire après le passage Oyo Lambert Mende Azaro Benga, passage civilisé il y a pouvoir, ce qui est historique parce qu'il faut qu'on puisse aussi saluer Babilo kwa Bongo et ça historique pour Nambo Kanabiso. Et la personne, il y a Félix Tshisekedi, était la personne la mieux indiquée pour garantir à qui wana ya yani, parce que ça pouvait peut-être être quelqu'un d'autre. Le lendemain, il allait peut-être chercher à brutaliser l'ancien président et puis peut-être Mbokelinge et la moto net et Salemaka na ba année passée, il y a plus de d'une vingtaine d'années na Braza, président Moussou Soazui et que a se comporté vraiment bien té et créer frustration à Moussoussou et puis Mboké Pelimoto. Donc il fallait quelqu'un qui est épris de paix. Ça c'est d'abord un. Qui n'a pas le sens, il y a rancune, Moutoza Mouté Mnéné. Donc et je crois que président Félix Tshisekedi était la personne au Yazaki mieux placée par mais rapport à ça. Il n'est pas belliqueux. Il était dans une démarche pour consolider. Dernièrement, il a encore fait preuve au travers Bamonae. Parce que Moutoumoussou Salinga Lobana Dédin. Il parle avec respect de ce qui était les accords FCC Cash à Zolo Bake. Il regrette Nenge Beba parce qu'en fait, dans sa démarche, Aza Moutoumoko Oyo Ayebi ko surmonter, ko le bato construire ensemble. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup. Mingi Baza, la situation, il y a au moins l'ICC, il y a deux femmes au Bazo et la Moana. Mingi Baza, la situation, il y a moi si Oyo Alobay, Bakata Moana. Or, Félix Azana Ngambu ya moi sur Oyaza prêt à Koloba, Botika Moana, Bamemaye, parce que Ayebi passe ya Kobota. Et ça, c'est très important. Le Congo est comme cet enfant-là. Beaucoup Yabat Oyo, Bazo Salaba Makelele, ils sont dans la situation Yabat Oyo, Baoloba, Bakata Moana, Nasso Salomo, Tunikaka, Tosa Neni Namoana, Mingi Bazawana, ils sont dans la logique, ils répondent à l'agenda Yabat Oyo, Yato Katamoana.
comme ça tu perdre ça veut dire que motema ya bomama wana ezate et ça c'est l'avantage que nous avons c'est qu'il était regretté coalition parce qu'il voulait que ba construire ensemble et il l'a dit mais bango ils ont cru que on peut pas construire le Congo sans eux. Ça veut dire que Bangonde Kaka, c'est comme ça que l'histoire a fait que base à la Libanda. Et aujourd'hui, en fait, c'est aussi salutaire. Mais dans un moment, parce que le monde des eaux évolué, il n'a pas hypothèse, il n'a pas contexte. Tu vois, il faut toujours couper sa chance na une initiative. Mais tant que partenaire na katia initiative, il y a un kantara qui y a za gang. Il y a un kantara, il faut atchaba croque en jambe, azo jouer franc jeté. Après, il faut battre Libanda parce que le destin veut comme c'est ça. Libanda, voilà. Mais après avoir Koloba deux ans et coalition FCC Cash et Salibiso, barrière et Salibiso Nios Otomoni, mais vers la fin à mandat, il regrette la coalition. Non, en fait, les Congolais, on a un problème. C'est comme par exemple, j'ai vu les gens s'alarmer dernièrement, Bazo attaquer Maman Eve Bazaïba. Il faut toujours mettre les propos dans leur contexte. Et quand on parle d'un fait qui s'est passé dans le passé, il y a la concordance des temps. Maman Eve Bazaïba lobby par exemple, Bazo tourne la question à Marambo et les cas avant. Il assume, elle a assumé sa position, Yakoulbake, en ce moment-là, la position Oyaza, Laki, Andimaki. Président Félix, c'était. J'ai vu des gens moins matures qui sont sortis. Mais il y a un propos, il y a un Bazaï, mais quand elle dit, quand elle dit que le compromis à l'Africaine, quand elle dit compromis à l'Africaine, en fait, aussi longtemps que Bangon à la Mouka, ils attendaient Martin Fayoul et en train de voir. Mais justement, or, le Congolais, il veut quoi? Que les gens changent de discours. Et ça, Eza la maman Eve Bazaïba, Eza la président Félix Tshisekedi, ils sont restés cohérents. Il dit bien, dans le contexte où ils étaient, lui tenait à cette coalition. Et il avait dit plusieurs fois, mais bah toi coalition, bako tchaka, ils ne veulent pas que les choses avancent. Aujourd'hui, regarde, si on veut même faire la comparaison, t'as là depuis Marambouana et Beba, il y a FCCH, t'as là Nengeba, Stade, Tata Raphaël et Bimi, jeu de la francophonie, c'est des choses qui n'allaient jamais se faire si cette coalition allait continuer. Or, le président insiste qu'à Zaki n'a foi dans la coalition, parce qu'il voulait que tout construise. Il ne voulait pas que tout soit en chasse aux sorcières. Il ne voulait pas que Mboke Komaya ait commis tour d'abisso, Toroyok Sabi. Non. Il voulait construire parce que ça fait toujours la beauté. Quel que soit Mabene, Asala et Bélé, de voir que Tozana, un ancien président, Azo vivre, Azana Kimia, Moussouspe, ancien président Moussouspe, ça nous fait deux fois, ça nous titite au Tofandi Boye, au Moni, quatre présidents, Yakala, Yagana, Fandi na stade, Bota la match. C'est des belles histoires, mais Mundele a lingi à moté. Président honoraire avec un salaire de 680 000 dollars. Bon, ça c'est un autre débat. Restons focus sur ce qui est très important. Je ne connais pas très bien parce que. On en a deux, trois, quatre. Non, non. En fait, ça risque de diluer la qualité de ce que nous sommes en train de dire. Généralement, hein, tu gardes l'essence et élever de ce que nous sommes en train de dire. Non, parce que tu continues pour informer. Non, ce n'est pas de l'information. Ça, c'est une politique conjoncturelle, une polémique qui n'a pas lieu d'être. Parce que que le président honoraire avait dit que jusque-là, il manque son salaire. S'il vous plaît, cher Olivier, je veux que tu gardes débat dans l'inango. Ça, c'est une parenthèse malheureuse que tu ouvres. Parce que les débats sur ils vont gagner combien, c'est des gens qui décident. S'il y a un nouveau parlement, et que les gens décident, par exemple, qu'à partir à l'élo, on va, un, réduire, si c'est réel, parce que tous ceux qui sont impliqués dans Marambaba Salaire, que ce soit ministre des Finances Nicolas Kazadi, que ce soit eux-mêmes qui sont censés être bénéficiaires, sa femme, la femme de l'ancien président, tout le monde a donné son des cloches naïves. On ne sait même pas qui dit vrai et qui dit truc. Mais ce qui est important, nous sommes entre, parce que tu m'as invité sur ces plateaux, Poto Loba, comment on prépare l'avenir? Et dans la préparation de l'avenir, s'il y a des choses qui sont mal faites, les jeunes qui doivent prendre la relève doivent apprécier. Ça, c'était mal fait. Ici, il y avait opacité. Ici, Bazopé, ça 600 000 et l'équipe est belée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut refaire la loi qui protège d'abord la sacralité des anciens présidents, mais qui établi selon l'enveloppe globale dans la redistribution sociale, qu'est-ce que raisonnablement on peut attribuer à un ancien président. Mais j'étais en train de parler des choses très importantes sur la beauté d'avoir plusieurs chefs de l'État. Yo, sauté caca, balamoko, aucun débat, il y a combien de gars. Vous reconnaissez aujourd'hui en République démocratique du Congo le compromis à l'africaine?
Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Déjà, si tu veux savoir mon avis, moi personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'on peut beaucoup aussi réfléchir sur la pertinence d'avoir le système que nous avons et ce qu'on appelle démocratie. Moi, je te l'ai dit. Parce qu'en réalité, l'objectif que nous avons, c'est ça, il y a Kembo qui s'est développé. Ce n'est pas il y a qu'on répondre, na beauté, il y a Kaneva, il y a Nenge Mindele Balingi. Parce qu'en fait, il y a des pays qui sont très développés sans démocratie. Le problème, c'est de voir quel est le système adapté au Epanabiso qui nous permet d'avancer, qui nous permet de développer, qui nous permet de donner du pain à nos enfants, qui nous permet d'éduquer nos enfants, qui nous permet, Yakobimisa, Congo et Zalate, quand on cite les 100 meilleures universités en Afrique, Congo et Zalate, alors que toi, on a 54 pays et que ceux qui t'ont même à l'échec, t'os a même 54e université. Ça, c'est des choses qui nous préoccupent. Ce n'est pas le modèle d'accession au pouvoir et à la dictée par la France ou par la communauté internationale. Ça, c'est les complexes. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit s'affranchir. Et ce n'est pas parce qu'une tierce personne, un individu soit-il, ceux qui ministre affaires étrangères, il y a France, il donne un point de vue dans ses sentiments à lui et que lui, photo, tout tremble. C'est ça, en fait, ce qui fait la basse cesse en fait de la mentalité des anciens colonisés qui pensent que c'est les autres qui doivent nous coter, c'est les autres qui doivent apprécier la qualité de ce que nous faisons ou pas. Ici, le débat peut être, il faut après le deuxième mandat de président Félix, parce qu'on lui prêterait des intentions. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on doit changer la constitution, parce qu'il faut tout ça, la constitution, il faut tout faire, tout réfléchir. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui peut nous faire développer par rapport à la dimension Mbo Kanabiso? Est-ce que c'est la constitution actuelle était au Bande Kanabiso il y a PPRD Bande qui s'est vanté parce que la constitution actuelle était taillée sur mesure et dans les costumes ou qui taillée sur la mesure il est taillé Joseph Kabila les Oyo Félix Antoine Tshisekedi du président de la République il vient aussi et c'est comme ils ont encore la veste Mokobo et les lois ils peut tailler na mon aîné à Félix Antoine Tshisekedi. Non. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il fallait au moins Kolongo là-bas, il faut tokener progressivement, sinon on risque de se perdre. Parce que tu poses une question, on développe une belle idée et puis au Yéna, aux huit une phrase. Et ça complémentarité. Non, parce que je suis en train de dire. Non, la constitution Yamboka, c'est vrai que moi personnellement, na votaka référendum de Balobaki, et ça a été acté. Que à 80% bah congolais bah voter constitution wana. Moi je n'avais pas voté référendum, mais ça a été acté que bah congolais bah voter. Il faudrait qu'on parte sur les principes. Constitution wana, ça a été acté officiellement que Ewuti Namisala ou Isalemaki n'a pas leader qui engageait le Congo en ce moment-là au dialogue intercongolais. Et puis il y a eu des commissions qui ont travaillé. Il y a des sources qui disent que ça a été conçu à l'Université libre de Belgique, libre à tous ceux qui pensent, et qu'il y a quelques individus, et que ça a été calqué sur le modèle français. Mais bon, ce qui est important, c'est qu'on a une constitution qui a été adoptée le 18 février 2006, et qui a été deux fois modifiée selon les besoins et les intérêts des moments. Parce que, premièrement, l'une des modifications de cette constitution, c'était en fait sur le nombre de tours des élections. Bon, ça rentrait pour faire plaisir et favoriser le président de ce moment-là. Mais moi, je suis de ceux qui plaident qu'on rentre à deux tours des élections, parce que ça consolide même la démocratie, à défaut, si on n'est pas dans la logique de rester dans les élections pluralistes, parce que ça nous prend beaucoup d'argent. Tu as suivi émission Oyo, Alain Foka à Sala. Des millions qui partent pour des élections, mais des millions qui, en temps normal, allaient développer des pays, allaient être injectés dans l'éducation, allaient construire des hôpitaux. En Afrique, il a fait le bilan. Et en fait, ne soyons pas complexés de qu'est-ce que l'homme blanc ou les Occidentaux veulent, mais soyons en fait dans la logique de qu'est-ce qui peut être bien pour nous, pour notre développement et pour mettre notre. Et d'ailleurs, les élections sont toujours un lieu pour qu'on nous tienne par la gorge par les Occidentaux. Parce qu'ils viennent, ils créent un désordre, ils tirent de ficelle, ils veulent. C'est comme pas un Mikoloyo.
ils sont derrière Madame Oyakeno, il faut avoir ça dialogue. Parce qu'en fait, ils ne sont pas à l'aise que la légitimité du président soit consolidée au travers des élections. Ils veulent qu'on grade l'histoire de 2018 où ils sont parmi les tireurs de ficelles qui font croire à d'autres camps qu'Ezaki compromis à l'africaine. En fait, ils veulent ça pour que les présidents qui est élu reste avec une sorte de culpabilité et que bah média nabango et continue koloba ah il a été mal élu et que bah poussé dans une optique où il doit chercher des audiences naba président français pour se faire une illusion il y a légitimité et ça c'est les jeux des occidentaux et leurs médias. Est-ce que vous êtes pour les dialogues avant les élections? Non, c'est une bêtise. On est déjà en plein dans le processus électoral. Ceux qui sont conscients de ça, on va y aller. Et puis après, c'est nous les Congolais et le Parlement, il y a Sikao et Koyawana, n'est-ce pas la pertinence, il y a comment on continue. Est-ce que les élections au Ekolanda, et Togosalaka modèle Oyo, est-ce que Togosalaka en a un tour? Alors qu'on a aussi envie de voir des candidats présidents, Bako Yana débat, Bako échanger, Toye Baba, idée Batu. Pas des gens qui profitent des circonstances pour faire. Non, Moutoye, Penaboya, présenter projet Naye, Péaolo Bana, sincérité, Totala, qu'est-ce qu'il est capable non seulement de défendre, mais qu'est-ce qu'il est capable de faire? Parce que le débat, il est très important dans un environnement démocratique. Parce que pour le moment, la Constitution, Otozanango, ils ont consacré pluralisme, démocratie. Mais cela, c'est un terrain, il y a une idée. Ce ne sont pas, c'est pas un terrain, il y a une invective, il y a un tox. Oh, les lots, donc on est chamboulé dans tous les plans. Donc on doit éviter d'avoir le cancre. L'idée même, il y a Agora Grec, Nakala, c'est que les meilleurs d'entre nous, il faut pas diriger Bissot. Mais aujourd'hui, c'est soit les plus voleurs d'entre nous, les médiocres d'entre nous, mais c'est parce que en fait... Quand vous dites les plus voleurs, les plus médiocres... Mais écoute, il y a au monité beaucoup de dossiers, il y a TRAC, il y a IGFA, il y a au monakité, donc tu n'as pas vu DG, Bazo Kanga, DG, Bazo là. En fait, tu n'as pas vu la qualité, il y a député, oh, yo, bazo, singa, bah, on voit des vidéos. Mais Moutouaza, ganga, ganga, ah, waouti, je ne suis pas contre les enseignants. Azakine, kaka, enseignant à l'école primaire, a créé un magazine, il y a deux pages. Allez, à Bimi Gang, journaliste. Et puis, il passe à la télé. Magazine, oh, yé, moro, journaliste. De la première page jusqu'à la dernière, yé, kaka, mtoua, komaka. Un journaliste était mais à l'écran la émission est belle na TV alors baka mingi critiquer boum ba voter mais non mais en fait c'est la qualité des gens que nous avons et ce qui est beau avec le cycle pourquoi je suis contre le dialogue c'est que cycle électoral et komatisaka culture électorale et komatisaka maturité les gens vont commencer non pas à voter bah parce que aena ba incantation na TV parce qu'à l'écran une émission pour vous ça a un succès bah monier mingi. Non, mais les gens vont finalement commencer à comprendre que le rôle de député est aussi l'exemplarité. Moutou aza immoral. Moutou a fini à rabatou pamba pamba. Il ne peut pas être le représentant du peuple. Moutou Oyo, qui se comporte indignement, il ne peut pas être le représentant du peuple. Ça permet à ce que progressivement, ça construit et consolide aussi la culture politique et le rêve. Parce que le rêve congolais, il faut te construire en haut. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi il ne faut pas encourager Batu Oyo, Yamili Moumabe, Oyo Bazoluka, ba dialogue. Il faut te qu'il y ait une élection. Il faudrait que Parlement, Batu Yassikaba, Kota, que les choses soient recadrées, mais que aussi la régularité du cycle. La régularité du cycle n'est pas à permettre la démocratie ou la paix et vivre. Et qu'on ne puisse pas avoir toujours Babiloko Moroboye boutiqué et que tu vas se retrouver autour de la table et puis Kaboli poste sur base de quoi? Tu vois, Namoni Misou Soibimi, oh non, 1 plus 2, Bazui Soki X, Bache Soki, vice-président, Bazui Moutoumoussou. Non. Parce que les lots, mon amour, Jeanne Kandolo, toujours l'obéla, Okoloba, sur la nouvelle classe politique, Okoloba, sur comment cycle électoral est coquille, Kozala Nakat, la République démocratique du Congo. Mais les lots, la plus grande question, il y a les Congolais, les alliés, comment on a été saine politique et commis saine familiale. Lobito lobby. Votre fils que vous avez intronisé, Lelo Eugène Kandolo, député République démocratique du Congo, vous prenez ce fils-là, vous le mettez comme votre suppléant. Est-ce que vous travaillez pour l'intérêt de la République démocratique du Congo? Très bonne question. Très, très bonne question. Na CP, na Moutouna, wana, et j'ai participé à ce débat-là. D'abord, il faudrait qu'on fasse la part de choses. Ce qui est important à savoir, c'est que nous devons avoir la culture de la célébration des compétences.
Et les compétences n'ont pas de sexe, qu'il soit une femme, qu'il soit un homme. Les compétences n'ont pas des tribus. Il y a plus de 450 ethnies et tribus au Congo. Les compétences n'ont pas de nom des familles. Ça, c'est d'abord un. Et si l'on regarde les compétences, qu'il soit mon frère, qu'il ne soit pas mon frère, dès lors qu'il est compétent et qu'il est méritant, ça veut dire qu'il a été inscrit dans la logique. Parce que j'ai vu ce débat. Pourquoi il y a eu clameur publique, par exemple, pour le cas Sougui Délice Sanga, Bamatata et consorts. Parce que Délice Sanga fait partie des 13 députés Oyobako Babazako proposé réforme. Il y a loi électorale. Mais dans la réforme, il y avait aussi la question que Tolongola, Tochaka, garde-fou. Et Loko Oyo, Ezoloba, clairement, que Moutoua Kokozoa Moutouya, famine a été comme suppléant. Et ça devient maintenant, bien que Loana et les Kakite, par sens et exemplarité. Parce qu'Akolobaka Ming, c'est quelqu'un qui critique beaucoup. Il est devenu même très subjectif parce qu'en fait, un intellectuel et de surcroît, en fait, un modèle comme lui qui a fait rêver beaucoup de gens. Il a été, on ne peut pas s'empêcher de le dire, législature à 2006, législature à 2011, je crois qu'il était dans les top 5 des meilleurs députés. Et les grandes lois, des bonnes lois, notamment la loi sur l'opposition, il a été la personne qui portait ça. Mais en fait, je ne sais pas ce qui est la frustration, ce qui n'est pas qu'on perd de subjectivité. Tu sais, même quand tu me critiques, l'obagapé m'a bien angaï et malam angaï. Tu sais, même quand tu me jettes des fleurs, de temps en temps, il y a des amis. Mais quand ça commence à être systématiquement tout ce que tu fais, au lati veste, il y a rouge, il y a des amis. Au lati noir, il y a des amis. Au zone ici, il y a rouge, au lati. En fait, ça devient de la mauvaise foi et ça perd la pertinence et la qualité même du jugement. Et ça, c'est dans ça que Akwei. Et c'est pour cela que clameur publique est. Parce que Yoko Zalate parmi 13 députés, oh, bazako lo bagueno, to kotisa batu afamite. Mais même si cette loi n'est pas passée, tu devrais être exemplaire pour dire que je vais mettre d'autres personnes. Et quand les gens se réveillent le matin, bah, Monique, a tché moi nanaye, et bimi Sony, c'est ce qui a fait la clameur publique. Maintenant, si tu veux savoir mon point de vue, j'ai entendu des gens qui disent si tu es indépendant, ça passe encore, mais si tu es dans un parti politique, tu dois prendre seulement les gens du parti politique. Il faut relativiser. Et le cas Yakocha, ce qui moutoua famille, ce n'est pas un cas isolé. C'est vrai qu'il y a une notion d'éthique et de moralité qui est aussi attachée à ça, surtout que nous sommes dans un pays pauvre. De façon réaliste, mais potentiellement riche, quand les gens et que Okochan Dekonayo, Okochan Mwananayo, on voit qu'en réalité, vous faites la politique pour vous enrichir. On a vu l'histoire récente, les procès à François Fillon, Ezaginin, parce que François Fillon, Achaki Mwassinaye, Nabananaye. Mais le problème, ce n'est pas que Achaki Bango. La poursuite est acquise que Baya Kabazaba figurant, Balia Kambongo, mais il ne travaille pas. La France n'a pas refusé que Achamouananaye, To Achamouasinaye. Mais Basala Moussala. Mais il ne travaillait pas Bazaro Zoa salaire. C'est pour cela qu'il a été poursuivi. Jacques Chirac a travaillé avec sa fille, comme Parsec. Il y a des circonstances qui peuvent faire que Moutoua travaille dans Ndekono. Ce qui Ndekono a compétent, qu'au cachet était. Mais le problème, c'est que le sens moral, le sens éthique, l'exemplarité nous oblige d'avoir certaines considérations. Tu es dans un grand parti politique et tu aspires même à être président de la République. Ça fait rire. Mais tu ne trouves pas. Mais ça aussi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est même un fait pour démontrer que beaucoup de gens ne sont des leaders que des coquilles. Ils sont incapables de nous sortir 10 personnes de qualité dans leur parti. Je dis bien 10 personnes de qualité, bah, Fandi Peboué, bah, Lati Bienveste. Mais lui, il a l'argent. Lui, il roule dans des grosses jeeps. Mais il nous dit, il nous promet qu'il va faire la bonne gouvernance. Il y a des partis qui ont fêté 10 ans dernièrement. Sors-moi, par exemple, 10 cadres. Il y a Maël, il y a Bien Propre, il y a Essidé. Comment tu peux construire dans les temps si tu es incapable d'activer, d'avoir autour de toi d'autres leaders? Parce que les leaderships forts créent d'autres leaderships. Nanana, moi, Namouké. Mais il y a beaucoup de multiplication de Eugène Kandolo en moi. Ça veut dire que si tu m'aimais, moi je ne suis pas quelqu'un, il y a qu'au Soutouka. Parce que je suis, je ne vais pas dire que je vais ma main à couper. Bah, leader rébellé au bazo aspiré na nanine. Ça sera difficile que ceux qui l'élo
par hasard, parce que de toutes les façons, il y a a commis président, tout le monde a qualité, il y a tout, il y a entouré. Parce que deux fois, le débat au Congo, il est trop bas. Tu vois? Regarde un peu le réflexe d'un candidat président qui se disait que Yende a rebondi Congo. Il dit qu'il a été le président élu. Les premiers réflexes, il y a qu'on nommait porte-parole, il y a Elo qu'on a pas ça qui soit vérité des urnes. Il prend l'un des plus grands immoraux de la politique congolaise. Il a fait des transhumances à tout point de vue. Qui était ministre intérimaire de sport, qui est allé même à la CAN avec l'équipe. À Zakina gouvernement quand Félix Tshisekedi est déjà président. Moutouana ba longoli ka basali ka gouvernement ilukamba. Bouf à comme opposant et c'est lui que Fayulu nomme comportement. En fait l'immoralité, en fait on voit même la qualité. Mais comment cette personne peut nous dire que Yesu a commis président? Parce que président ça la réunion sauté. Le président a un gouvernement, le président a des collaborateurs. So, l'incapacité de choisir des collaborateurs, des responsables, il y a qualité. Et on a qui sait déjà que Moutou Oyo a commis mané et l'okwa malongate. On a des leaders qui ont du mal à nous montrer 10 personnes de qualité dans leur parti. Donc, mais comme, on a 100 comme, millions. Comme Joseph Kabila a manqué 15 personnes autour de lui. Non, en fait, je ne sais pas trop sa rhétorique quand il le disait. Il était entouré de professeurs. Ça, c'est même une insulte au Congo. Les plus grands problèmes, quand tu es un visionnaire, tu es comme un manager, tu es comme un coach de football. Tu sais faire jouer des rôles aux gens. Regarde Mourinho. Eto, c'est un buteur. Mais Mourinho se permet et il convainc Eto, quelqu'un qui a l'ego, la fierté, un buteur né, qui, quand on a recruté Nani Thierry Henry na Barça, à l'Oba, Thierry Henry a voulu pouvoir faire dans la banque. Parce que moi, je suis payé pour marquer des buts. Mais on parvient à les convaincre pour à jouer reculé. Un peu comme, même pas comme un avant-centre, mais vraiment reculé. Ça, c'est la qualité, la finesse du management, de leader. Et ça, beaucoup de gens n'en ont pas. Beaucoup de gens crient. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi est bien entouré? Relativement, parce qu'il y a des castings, de fois, qui laissent à désirer. Mais quand on voit, par exemple, aujourd'hui, des résultats comme en peu de temps avec l'organisation des Jeux de la Francophonie, je crois que dans une certaine mesure, il y a du bon, mais il y a aussi des choses qu'il faut revoir. Ça, c'est objectivement. Et ça aide les gens. Parce qu'il ne faut pas dire aux gens, tout ce que tu fais est mauvais. C'est de la mauvaise foi. Mais il ne faut pas non plus dire aux gens, quand il y a des failles, tu dis que, par exemple, ah non, vraiment, moi, je l'ai toujours dit, je m'en cache pas. L'un des points qui n'a pas marché, c'est les trucs de changement de mentalité. Il n'y a aucune mentalité d'un Congolais qui a été changé. Parce que c'est un grand chantier. Parce que même... Est-ce que c'est au sein de personnes choisies pour que Bakamba, coordination et changement de mentalité, soient incompétentes ou bien peut-être... L'incompétence, c'est aussi mettre quelqu'un qui est compétent pour autre chose à autre chose. Tu vois un peu ça. Et je peux être très fort, je ne sais pas moi, dans la communication, mais si tu me donnes par exemple, de commencer à te parler de la zoologie, je serais incompétent. Je serais incompétent. J'aurais des connaissances superficielles. Je te parlerai que l'ornithologie, c'est la science qui enseigne les espèces des oiseaux. Mais c'est, en fait, j'ai retenu ça comme un perroquet. Mais est-ce que je connais vraiment en fond? Tu vois? Donc, quelqu'un peut être compétent. Parce que tout le monde est potentiellement intelligent et compétent pour quelque chose. Mais c'est l'usage qu'on en fait. Et ça, c'est le rôle du manager. Ça, c'est le rôle de le regard du coach, du leader dans l'appréciation des attributions. Mais là, ne pas le problème. J'étais en train de dire que j'ai constaté que nous avons jusqu'à aujourd'hui un problème très sérieux, mais même profond, des mentalités. Parce que les changements de mentalité devraient s'attaquer à la question du tribalisme. Les changements de mentalité devraient s'attaquer à la question, par exemple, de la bestialité qui caractérise deux fois certaines personnes. Les changements de mentalité devraient soigner ou augmenter les niveaux de patriotisme. Nous sommes apatriotiques pour la plupart. Parce que les gens qui collaborent avec les M23, les gens qui vont se faire soudoyer, les jeunes des mouvements citoyens qui savent pertinemment bien qu'on les utilise, mais à tort et à raison, qui font des choses contre la République. Mais c'est parce qu'il y a un problème de mentalité. La mentalité devrait
Mais parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, tout le monde a les gens qui ils trouvent les murs propres, ils salient. Ils ne peuvent pas construire ma nini oyoboy. Tu vas voir d'autres personnes à Rokende. Ceux qui ont un sentiment à Rokende, baby, ça. Bah, construire un stade, bah, construire un... En fait, tout ça, c'est le problème de changement de mentalité. Mais ça n'a pas été résolu. Parce qu'il faut apprendre aux gens à aimer leur pays. C'est le basique. C'est le basique. Quand les gens aiment leur pays, ils vont se dire que même dans tout ça, l'émission, tout ça, c'est pour nous. Nous avons classe. Nous avons pour nous, mais nous avons autant pour nous. Donc, c'est-à-dire, moutoutou, il faut avoir l'idée que si tout est franc, tout est tombé là, bendé la mboka. Et ça, il faut travailler sur ça. C'est un travail qui doit commencer. C'est vrai que quand la mentalité est défectueuse, il y a un travail qui doit se faire en amont. C'est un travail approche Gozala, d'abord curatif, et puis approche préventive pour davantage mettre les gens dans le moule. Il y a Kolingamboka, Koyekola, Sugi Constitution, pour le moment, Otozanangoana, avant que Toyako change. En fait, il y a tout ça. Regarde, dans ces 4 ans, combien de gouverneurs ont été déchus des présidents des assemblées provinciales? Est-ce que ça Kolingamboka? Les provinces n'avanceront pas avec ceci. Donc c'est tout ça en fait. Quand même quand tu veux faire ta motion bidon, regarde quel est l'intérêt de la province. Est-ce que ça a l'incidence sur le freinage du développement du pays? Et tous ont toujours les mêmes raisons. Or, on les destitue pour incompétence et pour opacité. Mais quand ils bouffent ensemble, ils ne disent rien. Allez, quand il y a des petits intérêts divergents, allez, Babundani, président de l'Assemblée provinciale, notre gouverneur, oh, il y a qui s'est musclé, oh, il y a Pessim Bongo, pas député, pas ça. En fait, on est dans le toi-boui. Parce que la constitution, là, qui voulait faire plaisir à l'Occident, n'est pas adaptée, Nani Nabisso. Les gouverneurs doivent être nommés par le chef de l'État ou soit élus par la population, pas par 12 personnes ou 40 personnes qui eux-mêmes sont passés députés provinciaux dans des façons assez trucs. Donc les gouverneurs doivent avoir la légitimité. Et soit on modifie la constitution parce que la même constitution dit que les gouverneurs sont des représentants du chef de l'État en province. Mais comment ils ne sont pas nommés par les chefs de l'État? Et ça peut même combattre la question du tribalisme. Parce que quand le chef de l'État a la possibilité de nommer le gouverneur, il peut nommer quelqu'un de l'Équateur, il le nomme au Congo central, il nomme quelqu'un du Katanga. Mais ce qui n'est pas faisable en République démocratique du Congo, il y a peut-être la demande de natifs. Non. Le pays est plus que les territoires. Il faut faire attention. Et quand je parle de la... Tu vois que même Yokutu, aux ans à plateau, aux journalistes, mais aux ondes du matin, est-ce que dans ces pays, on n'a pas eu de gouverneur d'autres provinces dans le tout? Mobutu l'a fait. Bakonda Ville Kikanda a été gouverneur à Goma. Il a même été élu député à Goma, alors que Mutwaza Mutwa, Congo central. Maman Zouzoua Mbombo ont été des gouverneurs. Bakoyagialo a été gouverneur au Katanga. C'est faisable. Ce n'est pas à la population d'éduquer les leaders, c'est aux leaders d'éduquer la population. Il ne faut pas dire qu'elle est native. C'est d'ailleurs les histoires, il y a élection au gouverneur, ils ont encouragé le tribalisme. Makasi, regarde, et Kozaga, ceux qui sont dans le Congo central, en fait, ça crée même les sous-tribalismes, les sous-ethnicismes. Ici, on est en train de vouloir consolider la notion de l'État. Nous sommes des morceaux, des amas, il y a Touba tribu. Nous comprendre l'importance du drapeau et des emblèmes du pays. Si tu es Congolais, tu dois être nationaliste. Être nationaliste, c'est aimer les 450 ethnies du Congo et c'est considérer que c'est un Congolais que je vois en face. Ce n'est pas un, je sais pas, Rund, un Moulouba, un Moussaï. Non, je vois un Congolais. Et ça, c'est ce qui va enlever vos bêtises là de géopolitique. On veut faire un gouvernement. On dit, oh non, telle province n'a pas été représentée. Mais pourquoi tu n'imagines pas que celui de l'autre province là, il est Congolais comme toi, il me représente dans le gouvernement? Ça, c'est la bestialité. Ça, c'est les niveaux instinctifs de participants d'une nation. Nous n'avons pas encore suffisamment la notion de la nation. Encore une fois, c'est les changements de mentalité qui devaient aider, et notamment aussi la contribution, il y a ministère à jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, qui est muet sur cette question-là. Donc, il y a des choses qu'on peut faire dans ces pays
pour consolider d'abord la nation, se conjuguer en tant que nation. Même tant que Toko Loba relève, relève Toko constitué en Mokarate sur les décombres, nous devons d'abord restaurer l'autel. Et l'autel ici, c'est le Congo. L'autel, c'est le nationalisme. C'est parler Congo et non pas parler tribu. Donc, on voit d'abord dans des contextes, pour nous parler les lieux, on relève, il y a la République démocratique du Congo, relève, il y a Mboka Mobimba, il y a tante, il y a jeunesse, les lieux. Toko Kende d'abord dans la classe politique, Toko Kende d'abord dans le monde politique avant que Tobima, dans le monde social et le reste. D'abord, dans le monde politique, aujourd'hui, la jeunesse n'a pas de place dans la scène politique. Il y a toujours les gros, les gros poissons et les grands noms qui, aujourd'hui, dans le cadre de la partie politique, tant que côté est koyaka, il y a toujours un combo, il y a un tata, il y a un vieux, il y a un misuto, il y a jeune aussi. Jeunes aussi, ils sont là pour applaudir et non pour pousser aussi ou qu'on sa tête dans l'eau. Les lots on a quand il y a scène politique à la République démocratique du Congo. Est-ce que la jeunesse a une place? Mais je vais te décevoir pour te dire que la jeunesse a une place. Le ministre de la communication et médias, il est jeune. Patrick Mouyaye. Le ministre d'aménagement des territoires, il est jeune. La porte-parole du chef de l'État, elle est jeune. Je peux te citer autant de trucs. Maintenant, ça peut être des cas isolés. Le problème, c'est que la vie, on ne te la donnera pas comme sur un plateau. Il faut faire attention. Parce que j'ai comme l'impression que les jeunes tombent dans les combats des femmes, des revendications. Non, il faut faire prévaloir tes compétences. C'est ça la loi de la nature. Tu ne peux pas chercher à ce qu'on te fasse des quotas et qu'on fasse des beaux yeux. Et l'essentiel dans la vie, c'est d'avoir des stratégies. Si tu penses que tu as été une fois, deux fois roulé dans ton parti, on ne t'a pas aligné. Mais trouve les mécanismes d'émergence. Moi, je fais comment? Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne bouffe pas l'argent du gouvernement. 5 ans, c'est passé. Je ne suis pas, je ne sais pas moi, dans le truc. Comment j'ai fait? J'existe, non? Tu m'as invité sur les places. Ça veut dire que ma petite voix s'est fait aussi entendre. Ça veut dire que je suis quelque part exemplaire. Et je suis dans un combat logique. Et il faut admettre qu'il y a un temps pour toute chose. Aujourd'hui, le jeune crie, on ne leur a pas donné. Mais en fait, les problèmes, c'est comment tu t'es défini. Comment les jeunes se définissent? J'ai, à juste titre, d'ici peu, comme je l'ai annoncé, je sors un livre qui est intitulé « Héritage, autopsie de la jeunesse congolaise pour un nouveau paradigme d'avenir ». Il faut arrêter un moment de pleurnicher. Il faut se redéfinir et savoir se positionner pour aller vers ce qu'on veut, parce que c'est le destin du pays. Les vieux dont tu parles, même si ils se disent qu'ils vont se donner encore 10 ans, il y a des gens qui ont 70 ans, il y a des gens qui ont 80 ans, même la nature va le faire partir. Mais le problème, ce n'est pas que les vieux partent, mais est-ce que le jeune se prépare quant à ceux? Est-ce que le jeune est conséquent par rapport à la responsabilité qu'il doit prendre? Et il n'y aura jamais de cassure où on enlève tous les vieux, et puis on met les jeunes. C'est comme dans une sorte de maille. Les jeunes vont progressivement entrer et d'autres, quelle que soit la manière. C'est vrai qu'on encourage les bonnes pratiques, l'intégrité, l'exemplarité. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes, par des manières presque un peu sales, ils se sont retrouvés dans le cœur de pouvoir. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont des présidents de grosses plateformes politiques, mais qui ont aligné. Il est jeune, mais il a aligné plusieurs non-jeunes et des jeunes. On parle même de 450 candidatures alignées, par exemple, pour le je crois, DIPRO, tu vois. Mais j'insiste, le problème, ce n'est pas seulement d'être jeune, c'est d'avoir la moralité. Le problème, ce n'est pas seulement d'arriver, mais aussi c'est la manière d'arriver. Parce qu'il faut arriver avec beauté pour servir d'exemple. Parce que, en fait, si nous construisons sur les mêmes modèles de corruption, de magouille, de mensonge, d'immoralité, que ce que nous reprochons, c'est-à-dire que tout ça, les locaux, il y a toujours na l'Ikambouya. Sinon, on aura comme modèle, mais c'est pour dire que les jeunes ne doivent pas pleurer, les jeunes doivent savoir se positionner. Il faut savoir que je ne dis pas que forcément de façon rigide, Tozan est un principe, il y a darwinisme, la survivance du plus fort. Nous sommes dans une société où de plus en plus on peut se créer des brèches, s'assumer, parce que de toutes les façons, personne n'a pris ta place. Si tu es appelé à, tu les deviendras, mais seulement l'ambition dont on n'a pas de compétences, c'est un crime. Mais les jeunes doivent construire des compétences. Le vieux est toujours, parce que tu as toujours dans le monde politique, parce que les Oyo,
bah on est sur la ligne nakatiya scène politique. Ils ont montré à la jeunesse congolaise aujourd'hui s'il faut devenir riche ou bien avoir une peut-être un positionnement dans la vie, il faut entrer dans la scène politique. Bon, il y a des jugements qui sont liés aussi au contexte du pays. Omoninzala et tindarabatwa bando yina mututu azo réussir, c'est pas très bien. Tu vois, il faut apprendre à apprécier ce que tu es, mais aussi apprécier la réussite, entre guillemets, de autres. C'est très important. Tu es tellement dans un environnement où il y a baza frustré et belé que tu peux même voir quelqu'un, mutoaza candidat député, aza la compétence, aza mayele, aza la moralité. Mais quand il y a que na zone, il y a comme candidat, pour 20 000, 21 000. En fait, tu vois le raisonnement direct. Il ne voit pas que la personne est compétente, il ne voit pas que la personne a une bonne moralité, il ne voit pas que la personne est exemplaire. À comment on sait que la personne va gagner? Ça, c'est la méchanceté, c'est la mauvaise foi. C'est une mauvaise façon d'analyser les choses. Alors, qu'on laisse que Moutoumogote a qu'il y ait un parlement. Parce que Batoumogokendekou n'a pas qu'il y ait 21 000. Et le raisonnement est tout de suite basé que sur les 21 000. Mais pourquoi il y a au moins qu'il y ait 21 000? Pourquoi tu ne pars pas? Parce que si c'est ça le challenge, si c'est l'enjeu, pourquoi tu ne pars pas? Donc il faudrait qu'on... en fait, tu sais, dans la vie, on ne devient pas ce qu'on n'est pas. C'est très important. La preuve, Ezana Batu Oyobaza, député, qui ne reviendront jamais plus des députés dans leur vie, et puis qui ne seront même pas des chefs du quartier. Il faut faire attention. Kowe la paix, Eza bienté. Si ce n'est pas ta destinée, chance le repas, mais Gosimba une fois, mais Gosimba deux fois, t'es. C'est trop beau d'être, c'est très facile de se faire élire, mais c'est très compliqué de se faire élire. Tu peux t'enterrer, parce que élévation exposera deux choses. Exposera soit ton excellence, soit ta médiocrité. C'est ça en fait, l'élévation est un couteau à double tranchant. Yangongai Nanviakate, qui a avancé avant moi? Je suis dans mon parcours progressivement en train de tracer libre parcours, en train de partir. Beaucoup de gens ont cru, Nenge Nani, Koufio Lumide Alubaka, Nakala. Tokani Saki Baza pressé, mais Toko Koutabangoka Nare ou Elandi. Tu vois? Le problème n'est pas d'aller avant. Et c'est comme ça qu'il faut même relativiser cet adage qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. L'accession à un poste ou l'élévation précoce peut être vraiment fatale pour beaucoup de gens. Peut être fatale. C'est pour ça qu'il faut suivre le processus. Et donc, en vouloir aux gens qui sont allés ou qui ont exprimé les ambitions, c'est la bassesse, c'est la mauvaise foi et ce n'est pas bien. Nous devons éduquer les gens. C'est comme ça que j'ai dit que même tant que nous sommes là, parce que quand tu prêches bien les gens, quand tu dis la vérité, les gens te jugent sur base de ça. Tant que nous sommes là, de façon globale, que nous sommes là, nous sommes là, mais que nous sommes là, tu sors ridicule. Il faut être cohérent avec le truc. Dis aux gens que ce n'est pas mauvais de mettre son frère quand il est compétent, quand il est méritant. Mais il y a des notions d'éthique, de moralité liées à ça. Il y a des choses parce que le Parlement est érotique à la vide. Ce qui est tout bien, il y a 21 000. Mais les 500 personnes qui sont censées nous représenter, créer des bonnes lois, modifier la Constitution pour qu'elle soit adaptée au développement. Il y a beaucoup. Mais yo motema mabe ndekono azo linga kende aza compétence à moralité. Ah po yo kende zo 21 000. Mais pendant ce temps toi tu ne postules pas. Mais tu ne veux pas non plus qu'il postule. Il y aura toujours des idiots qui vont aller là-bas. Des roublards qui vont insulter les gens, qui vont saper l'image, qui vont aller à l'Assemblée nationale très sale et qui vont saper l'image Yanini. Or, les meilleurs d'entre nous, bato baza cohérent, bato baza compétent, bato baza na moralité, baza na exemplarité. C'est très important. Et bato baza na conscience, yakotongamboka. Pas des gens qui, on le pousse par des officines, bako tchaka bango malobana munoko, bako pesa bango mikro, naba chaîne, naba paya, et puis il vous raconte des choses, mais en réalité, il sait que ça trahit le pays. Comme cette histoire, par exemple, nalobana mingi mikoloyo, et comment cheval de bataille. Congolais, nous, il faut attendre à 580 pages, il y a un rapport mapping. Mais toi, naba leader, il y a politique. Matin, midi, soir, bako loba, rapport mapping. Mais il n'y a pas un rapport aussi, très délicat et qui est vraiment complotiste comme rapport mapping pour la balkanisation. C'est le vrai lit de la balkanisation. Tangaka ba page à partir de 400-420, au Romona, quand on définit Maramouya, il y a génocide. Et tu vois la brèche qu'on ouvre.
Mais nous avons des leaders et des jeunes des mouvements citoyens. Oh, bah, pèse à la micro, la chaîne à la paille. Qui matin, midi, soir, bah, qu'on le barra toujours. Rapport mapping. Soit ils l'ont lu et qu'ils sont des traîtres, soit ils ne l'ont pas lu du tout et qu'ils font du bruit. Comment il faut tomber dans la vérité? Mais il y a des gens qui sont plébiscités. Bah, on le barra, tout bah, modèle. Bah, leader politique. Mais qui nous disent ça? Rapport mapping, ils ont rencontré livre à Holocauste. Oya Charles Onana, Oya Utiobima, complot contre Congo, il y a balkanisation. Rapport mapping fait le lit de la balkanisation. Mais parce que les gens ne lisent pas, j'étais même dernièrement avec un éminent journaliste, il m'a dit, je t'avoue que je n'ai pas na ngote. Mais un de brillant. Rapport mapping, babini sans mon neti Bible na kala. Avant la réforme, il y a l'église Salim. La Bible n'était que pour des prêtres. Bandimiba koué bate verset bazolo ba oye zarawaki. Rapport mapping, babini sans résumé. Mais le fond du rapport mapping, il est très destructif pour le pays. Le rapport mapping, c'est un rapport belliqueux. Je te dis, tant autant rapport mapping, si tu n'as pas la maîtrise, moi par exemple, les premiers crimes dont on parle là-bas, ils ont les sous son objectivité. Ceux qui ont massacré, ils ont cassé. Mais en fait, quand tu mets ça à disposition de quelqu'un qui n'est pas mature, il peut créer des dégâts. Tu vois un peu ça. En fait, c'est un rapport qui remue le couteau dans la plaie, qui ne consolide pas l'unité nationale. Mais il y a des leaders à temps et à contre-temps. Chaque jour, ce va passer à micro. Il faut, on nous fait croire que le rapport mapping est une baguette magique. Ce qui va appliquer en haut, boum, Congo et Bongi. C'est faux et archi faux. Le rapport mapping condamne les phases, condamne le FAC. Condamne le FRDC, Bazaba armée Yambokani, y a Congo. Si la politique ne se fait pas sur base de la vérité, si ma leader politique va koyebi sara batuma kambu ya solote o ezo tonga mboka, on va être dans cette logique où il y a beaucoup de traîtres, mais habillés en veste, ba koyebi sabiso ke bangonde ba changer mboka. Donc nous devons apprendre à être sérieux, choisir les meilleurs d'entre nous, choisir le vrai d'entre nous, et c'est possible de savoir avoir le discernement pour l'autre. O yazalukuta. Il joue les jeux, il y a Bapaya. Et c'est comme ça que l'on va construire le pays. Au monde, Naotoka, parce que quand je parle du pays, je suis très sérieux. On a tellement pris à la légère certaines choses. N'importe qui, le Congo est un bien précieux. Oyo atteint un centimètre au Kenete. Mais il y a des gens qui ont un discours officiel là, que non, et à sa contre. Mais en réalité, il fait les jeux de ce qui est Nani, qui est nuisible au Congo. Donc, il faudrait que Awabama Ponami Ezali, tant que le barra relève, mais qu'on n'envoie pas n'importe qui, Jeno Barosalaka, Makele, les caca, tout ça, mais qu'on envoie les meilleurs d'entre nous, les compétents d'entre nous, les sérieux d'entre nous, les gens qui sont vrais. Pas des gens au Aliaka, Aliaka, Mongo, Naba, officine Bélé, Azana Maboko lié. Il ne sait même pas ce qu'il va dire pour le pays. Et quand il va passer, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il y a eu un coup dans la deuxième partie de l'émission. Il y a eu une partie courte, mais il y a eu une très stratégique dans la République démocratique du Congo. Et pas eu un coup dans la deuxième partie. Il y a eu un coup dans la malade. Il y a eu un coup dans la malade. Et puis, il y a eu un esengeli na makambo nini pour que to tombola mboka na biso et puis to tombola jeunesse ya mboka na biso o eko assurer à venir malamu ya République démocratique du Congo ezali bongo et to kota sikoyo na pratique parce que esengeli na ba congolais nyoso ba yeba lolenge kani makambo ko tombola na mboka na biso to dali na moto o esengeli o ya ko répondre biso na ba question o to dali koloba oyo parce que il est aussi na kati ya domaine la banza été les lo oyo ba critique ezali ebele bele pona maponami ba susu balobi na 2018 maponami compromis à l'africaine les lo oyo maponami to kokende kasi tozali déjà na bato ya décidé oyo ba koboya maponami parce que balobi ete il faut audit ya fichier électoral et salema ce sont des rêveurs tozali na ba ndeko mosusu ya opposition oyo balobi ete ba ko participer te. Mais bah changer bah qu'il co cotique bah candidature na bongo wana ezali bongo parti à Adolphe Muzito malgré contestation il y a enrôlement c'est ça la paix à déposer et tout ça même c'est ça même les autres mais les lo oyo tout comme on a déjà le lingika ni maponami ko za la contester mais essayer tout ça la nini pour que maponami oyo il y a le 20 décembre 2023 et ça la contester non Ndeko Olivier il ne faut pas que
to kanisake ba intérêt il y a quelques individus des définitions il y a 100 millions de Congolais. Il faut faire attention. S'il y a quelques gens du terrain de Ndili Sainte-Thérèse qui vont dire que ba recontester, ça ne représente pas les 100 millions de Congolais. Donc, si quelqu'un aime le pays, à quoi faire participer. Il y a na zone sur la liste CCA, moi na Oyo, bazo wela na ba mama mibale. Beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Ceux qui jouent les jeux, y a ba mindele na ba niniwana, ils sont dans ces jeux-là. Il y a que ba kata moi na wana to perdre bisonyons. C'est exactement ça cette logique. Élection, il y a 20 000 candidats sur l'ensemble de, si je ne me trompe pas les données que j'ai eues hier, sur l'ensemble de territoire pour 500 sièges. Ça veut dire qu'il y a eu engouement, il y a ma candidature. Bien que Tozo encourage à monter parce qu'on dirait, ok, Luca, Misala, chômage et tout ça, tu vois. Mais ça montre que engouement est ça. Ça veut dire que les quelques individus, 7 ou 6, parce qu'ils étaient même incapables aussi d'aligner 450 personnes de qualité ou 500 sur l'étendue de la République. C'est ça aussi la vérité. Bon, bah, tout bon, au moins, on aura pas ça, ils ne sont que 7 ou 7 et demi, bah, tu as qualité qui peuvent aller. Bah, au même service, c'est ma maman, bah, 80 ans, qui ne comprend rien des trucs pour Azala, candidat député. Ça veut dire qu'ils n'ont pas des gens. Mais il ne faut pas qu'on entre dans ce genre de gens. Bah, Zagaga, sur 7, sur 7 et demi. Ils sont incapables d'avoir des personnes de qualité, intelligibles, compétentes, qui aiment le Congo, qui peuvent participer au débat pour que Bakine. Donc, en 2006, UDP avait boycotté les élections. Élections et Salemaki. Le pays avance. On tire des leçons de ça. L'essentiel pour nous, c'est qu'il puisse y avoir ce cycle. Plus il y a le cycle Mundela Lignangote, plus il y a le cycle la culture politique, se consolide, la maturité politique augmente aussi. Batouba koyebaka finalement, to votera po na nini, nani toko pesa te, nani toko pesa, toko tindara lisusu te, batou ya ba théâtre, bouzo, bazo ba na parlement, parce que juste à l'égard qui na émission, a fingi batou mingi, et puis to tindie, a komo kende ma kolongoulou na parlement, il nous fait des théâtres. Tu vois, ça veut dire qu'on consolide, on est de plus en plus, plus ce cycle change, revient par. On va consolider la culture, il y a qualité. Toko banda kozoa batou ya qualité, ou yo bako représenter biso, et puis batou baza intelligible. Et donc, il ne faut pas dire le Congolais, contestation, ils ont déjà. Non. Ça, il y aura toujours des choses à redire. Na États-Unis, ah ouais. Ou yo kite ke Trump pale kaki, balobi, ni. Tu vois un peu ça. Ça veut dire, moi la contestation, ezabilo ko mutoazo sala. Ça veut dire imperfection et rosala. Ça veut dire que ça ne fera jamais l'unanimité. Ce qui est important, on constate qu'il y a près de 20 000 Congolais qui ont accepté d'aller déposer leur candidature au niveau national pour 500 sièges pour compétir. Et ça, c'est une note. Et de deux, on a fermé les bureaux. Et ceux qui n'ont pas postulé, ceux qui n'ont pas déposé leur candidature, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Et ceux-là que Oyo, Ozo, Lobake, Bakontesta, Kime Bakei, ils sont réalistes. Ils sont réalistes, la vie ne va pas s'arrêter, on va construire. Et de toutes les façons, c'est des distracteurs de moins. Ceux qui vont déposer ma candidature dans mon hôtel, c'est des distracteurs de moins. On va consolider le pays pour construire quelque chose. Même avec imperfection, mais qu'on avance. Même en boitillant, mais qu'on aille vers le devant. Parce que le Congo a tellement des urgences qu'on ne peut pas se perdre dans des combats individuels, partisans. Aujourd'hui, malgré la vie sociale est difficile, malgré et la situation politique, ils ont inquiété les Congolais belé le 20 décembre 2023. Qui sera président de la République? Bon, tu veux que j'utilise ma casquette prophétique? Parce que tout n'a pas à me relégaler le 20 décembre. Mais non, parce que je sais, j'ai oui, mais sur le plan scientifique, sur le plan statistique, sur le plan de projection, quand on est sérieux, tu sais voir que Félix Tshisekedi n'a pas vraiment un challenger. Il n'en a pas, il n'y a pas d'alternative à lui. Là, ça c'est sans compter son bilan. C'est-à-dire, lui d'abord en tant qu'individu, n'a les autres prétendants au siège. Il n'y a pas quelqu'un qui fait le poids. Il y a des incantations et trucs, mais il n'y a pas quelqu'un qui fait le... Il est vite parti pour reprendre. Non pas forcément parce qu'il est le meilleur de Congolais, mais aujourd'hui, en tant que président sortant, il est très bien placé avec les acquis qu'il a.
il est plus rassurant que tous ceux qui sont en train de tirer des sirènes. Même les lots ensemble à Kozoa, Liwa, Yachiribé, Okenda, Gotena, Moutou, chef de l'État. Non, c'est trop bas, c'est trop bas, c'est trop bas. Et surtout, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de la peine quand on prend... C'est immoral même d'utiliser la mort de quelqu'un aussi. Des pas trop conflictuels, parce que Chérubin, si tu regardes, c'est toute la classe politique. C'est un aîné, Azakouloutou, et puis Azamoutou Yaloukounga, le quoi en Haï. Donc, un élu Yaloukounga. Donc, c'est vraiment une perte pour la nation. Il participait encore au débat républicain. C'est quelqu'un qui avait l'élégance. Je me rappelle encore, émission Basalakana, Kouloutou Moussousou Serge Kayembe. La veille à l'élection, quand le président Félix Tshisekedi a été proclamé président, il y a eu une émission, Nazako Talango, je crois, réplique. Il y a mon cadet d'université, Nani, le cœur Moutipaï. Émission, là, je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me rappelle d'autres émissions. Je me rappelle émission Chérubin, Salana, na Germain Kambinga à l'époque. En fait, c'est quelqu'un d'élégant. C'est quelqu'un qu'il a fait l'unanimité. Tu as vu, en partant du chef de l'État jusqu'au plus petit Congolais. Pour na Moutuneti Kouloutou Chérubin. Liwana est déjà à Passy. Et que, bon, Batoubazoua Liwana et comme elle a marchandage, il y a un positionnement politique Nabango et tout ça. Oh, au moins, par exemple, émission Moro Tolanda qui, à peine, je crois, les jours qui a suivi, alerte Wana, Barotcha na statut, na Twitter, un journaliste qui a perdu toutes les valeurs. Il y a un moment, on l'a apprécié pour son combat et tout ça. Mais je ne sais pas combien d'argent on lui a donné pour que... En fait, Akomina, il est dans autre chose. Et je me demande comment il a perdu la lucidité. Akomikara, proche Kagana Babilo, on est sa photo, Tony. En fait, il place quelqu'un qui dit que... Ce n'est pas le royal. Les bâtiments à cour constitutionnelle... Et il y a 4 bâtiments qui se suivent. Un bâtiment où ils ont rénové à l'époque et tout ça. Et il y a 4e bâtiment. Moutoazo le témoignage que non, il y a solo là qui a moni bazo qui est dans le parking. Il y a une villa royale. Quand tu es dans la villa royale, tu vois à peine les deuxièmes immeubles. Parce que l'immeuble est dans les A4. Tu ne peux pas voir au parking, il y a cour constitutionnelle. Et puis, villa royale est en clôture. Atta Sokoza, ce qui est Superman, tu ne peux pas être à l'intérieur et à clôture. Au commun, on a un bazo qui est na mutuna, ce qui va réveiller. Et ça, c'est des faits graves, mais c'est un journaliste qui partage ça. Même un enfant ne peut pas imaginer que mutuna Katia, il y a Lupan, et devant, il y a 4 bâtiments, il y a miné, il y a chaque bâtiment, il y a un parking, il y a vu Eza Moulaï. Et que Naka, tu vois, n'a aucun monde. Mais un journaliste a partagé ça. Tu vois, c'est malsain et c'est pas beau. On cesse d'être humain. J'ai vu même des prêtres. Balamour au tweet, aux osales, aux os attribués déjà Nini. En fait, c'est moche. On cesse d'être humain. Et ça ne pousse même pas, en fait, des fois, les gens à dire que, ah, heureusement, tu es un Nzambe. Ce qui est Zaki Koye, il y a un comportement, il y a un bateau, comme à l'église. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu vois? Laissons les enquêtes. Moutoua Koufi, ça choquait les gens, comme je le disais tout à l'heure. Azakouloutou, Azaki, exemplaire, il n'était pas belliqueux. Et je ne vois pas en quoi il pouvait déranger les chefs de l'État. Tous à la montée, Mamabé, d'un niveau anaté. Je ne vois pas. Et ce n'était pas les plus virulents des opposants pour que Akendo dérangeait au point que Balobaba attribuait. L'Iwanaïe, voilà le régime. Ceux qui sont inouïs, c'est attribué à la chef de l'État. Mais voilà, mais voilà pourquoi d'autres langues disent que complot est outil de la famille politique. Naïe, Babouille, Poba, Balatisabeur. Mais moi, je ne suis pas dans ces débats. Mais, et pourtant, il y a d'autres éléments qui peuvent montrer que Ezo Bimaneti, un voleur qui crie au voleur. Tu vois, mais laissons les enquêtes aller. Comme ça, on pourra savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est inhumain de prendre la mort de quelqu'un et puis une mort. Lâche comme cette façon de tuer là, Baban doit attribuer en gros facilement. Tu sais que quoi attribuer les faux jugements sur quelqu'un, n'habite sur conscience, ça va congoler, monsieur, continuer à cause ça là. Donc, soyons humains, ayons un peu le sens, il y a Bomoto, c'est très important. Kouloutou Akéi, c'est notre aîné, un élu de Lukunga chez moi, à Lukunga, un représentant du peuple. Bon, le pire est arrivé, mais ce qui est très important,
les Congolais doivent avoir conscience yakuzana bomoto. C'est très important. Même quand tu fais la politique bomoto, il faut ezala. Kozala karaté parce que lingaka Olivier T, tu vois, tu, donc c'est-à-dire Maramozo c'est mana Ukraine ou attribué Olivier. Ceux qui tremblement de terre et Salemi na Kuala Lumpur ou attribué Olivier Kakapo lingaka été. C'est moche, c'est bas, c'est inhumain et ça n'élève pas parce que sur cette terre nyonso karma ezalaka. Tu ne peux pas facilement attribuer, même si tu es pasteur ou autre, tu attribues facilement comme ça, sans jugement. Non, c'est très bas, on est descendu trop bas. Élevons-nous, ayons le sens de l'humanité, aimons-nous sincèrement, aimons le pays. Tu ne peux pas aimer le pays si tu n'aimes pas Batuya, Yamboka. Les peuples, naba, ensemble, naba, nyonso, naba, ba défaut, naba, naba, qualité, naba, c'est ça d'abord. Et un pasteur doit être le premier de celui qui nous donne l'exemplarité. Mais yalelo, eko, bang, sanga, makasi. Façon batou, comme si c'était les premiers convertis. Et donc, Liwan est choqué batou. C'est vrai que ça rentre aussi en ligne des comptes. Il y a une psychose au Koluka, Batouba, Bazalan, il y a une incertitude. Pourquoi Batouba lié ça? Pourquoi il s'est mis à la veille à processus électoral, na francophonie? Ça rentre dans ce que ceux qui soutiennent la théorie complotiste disent que. Ils apprennent à saboter, bah jouer à francophonie et puis tout ça. Pourquoi? Et même quand on va dans cet angle-là, pourquoi tout en sachant que tous les projecteurs sont braqués sur nous par rapport à la francophonie, régime et que ça là, comme bon. Donc même les plus petits donc, des analystes. Oh, qu'on met ma complot ensemble pour la République pour qu'ils attribuent. Non, moi je ne leur attribue pas. C'est eux qui sont en train d'attribuer le complot aux gens. Mais il y a des gens qui pensent à juste titre avec. Recul par rapport à l'analyse, par rapport à y a moi, bah, incohérence dans ma campagne, qu'ils peuvent être pour rien, mais laissons la justice faire les choses, c'est ce qui est très important. Les Congolais doivent apprendre à avoir un peu de l'humanisme dans la façon de voir, même si les gens ont des points de vue différents politiquement, mais arrêtons d'être au niveau, niveau haut, c'est très important. Nous avons un pays à construire, nous avons un avenir à garantir aux futures générations, ayons le sens des responsabilités dans notre façon d'aborder, même de parler devant les gens. Avant que na latisa yo casquette o ezali digne na yo lilo oyo tolobaka yango avenir ya mboka esimba mina jeunesse lilo oyo jeunesse ya république démocratique du Congo mona yo mona mboka e jeune kandolo ba tante ezali ebele e pa ya ba jeune oyo mboka esengeli epesa mais relève ezali e pa ya ba jeune oyo bango lobby fo ba simba mboka ba jeune bako zala ndenge nini na république démocratique du Congo pour que lobby ya mboka e simba ma na jeunesse ya malunga na kati ya mboka na biso. Bon, c'est vrai que j'ai quand même une crainte makasi, mais heureusement pour moi je suis un chantre de l'espoir. D'ailleurs livre nanga ya liboso ezara commercialisé eza solfège d'espoir na komela na jeunesse africaine et particulièrement na jeunesse congolaise, parce qu'il ne faut pas perdre espoir, même ceux qui tozan na environnement oyo batu belé ba kozala ka pessimiste ba ko lubaka makam négatif sur mboka, il faut toujours avoir un discours positif, et ça je fais partie de ceux-là, sinon pas je suis porteur de cette flamme d'espoir et je travaille pour ça. Voilà pourquoi je ne me plains pas. Voilà pourquoi je me consolide en moi-même à l'idée que le Congo est plus grand et la grandeur s'est construite en moi pour effectivement mettre la main à la pâte. Maintenant, la jeunesse dans son ensemble. Ce qui est vrai, il y a quand même beaucoup de choses à redire. On a quand même ma contemporaine, beaucoup de leaders, il y a des jeunes, il y a des bilingues, autres en bango. C'est des gens qui font les mêmes choses que Bakulut. Je me demande comment réellement ils vont être une solution. Parce que nous avons le bâti, nous avons le bâti. Même ceux qui ont le bâti, même ceux qui ont nommé, heureusement que tu es le chef de l'État, de temps en temps, a commis nommé le jeune Ming. Mais même par la loi de la nature, ils sont appelés à laisser la place. Mais est-ce que le jeune Ango s'est préparé conséquemment? Qu'on s'est préparé conséquemment, et qu'on a conscience, il y a mon nombre de cannabis. Conscience, il y a quels sont les échecs qui ont été là. Comment nous allons résoudre ça? Conscience à quel type de compétences Ezaki manquait. Conscience il y a Kozala patriote. Ça, c'est très important. Parce que c'est le soubassement.
Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Napoléon Bonaparte, paraphrasant, Chateaubriand disait, l'ambition dont on n'a pas de compétences, c'est un crime. Na comment on a jeune ebele bako ganga ndenge tozaki na palais du peuple, tozaka pe na nini na OUA avec chef de l'État, na quelques jeunes leaders représentants yaba nini. Na koyoka ba jeune bako yemba to voter les sous députés à 45 ans théo. C'est vrai que c'est symbolique, c'est aussi phénoménal. L'idée ici n'est pas au strict sens du mot que ceux qui ont 45 ans et demi allaient à l'Ongoli. Mais l'idée, c'est la relève, le renouvellement de la classe politique. Mais ça ne se fait pas comme par baguette magique. On ne prend pas les premiers incompétents arrivés juste parce qu'il est jeune. La jeunesse n'est pas une compétence. Donc il faut qu'on soit conscient que si il faudrait qu'il y ait une relève, que ce soit les meilleurs d'entre nous. C'est ça l'idée de l'agora grecque. Quand on crée le sens de la gestion de la cité, les meilleurs d'entre nous, les plus excellents d'entre nous, les plus capables. Il ne faut pas que ça émane, par exemple, dans l'association, dans bilingue, oyo kaka, oh non, les élections, ceux qui sont étudiants, ceux qui sont nini, ceux qui sont moutou, oyo, tant que ceux qui sont agités, bachéye. Mais il faudrait qu'on soit conscient. Mais je sais que, heureusement, de plus en plus, comme je disais, la culture, les gens voient, la culture politique, l'intérêt du pays, et bien, toi, là, mais je sais qu'il y a des pièces rares. Nenge, Bible et Lubaka, j'ai ma réserve des gens qui n'ont pas fléchi devant balle. Et c'est justement ces gens-là à qui j'encourage, bah postuler, bas à l'attenter. Je suis aussi un peu malheureux parce que dans mon avis, jeune et belé, bas à qui n'a effervescence, oh, tout ça. Mais n'a pas tout, n'a pas 2, 3, 4, autant n'a postulé dans ma tête, autant n'a aucun. Ah, mais pour ça, il m'a quelé là. Donc, bah déposer, bah ni. Est-ce que parce que. Okay. Oui, les amis, mais les amis, après. Non, quel coût. C'est maintenant, c'est environ 600 dollars. N'a pas tout, y'a dollars ou ezo quitte. C'est environ 600 dollars la caution. Ah, toi, y'a dollars, les amis, 25 qui quitte en dengue. Non, en fait, mais justement, ça veut dire. Ça, le franc se dévalue parce que la caution est en francs. 1 600 000. À l'époque, 1 600 000, ils auraient 1 000 dollars. Mais, le moment où y'a 1 600 000, c'est l'équivalent de 650 dollars ou je ne sais pas moi quoi. Donc, ce n'est pas la caution qui est élevée. Mais et même ça, il y a beaucoup de regroupements politiques qui ont payé des cautions pour leur liste. Donc, soit tu sais te faire prévaloir, tu es réellement leader, tu as la capacité de négocier et de te faire accepter dans un regroupement où tu pars. Parce que déjà, tu n'es pas rigide en termes de valeurs pour dire que tous les partis politiques ne partagent pas tes valeurs. Donc, tu es malléable. Enfin, tu dois partir quelque part si tu as une conviction, si réellement tu t'appelles leader. Donc, les Arabes, nous sommes en train de faire un quota. Maintenant, là, sans quota, on veut que tu ailles prévaloir ce que tu es capable de faire. Vas-y, postule. On va causer leader qu'on te vote. C'est justement ça aussi. Donc, certains ont été devant l'évidence. Monique, ou soit certains ont été très réalistes. Ils ont dit il faut être humble. Il faut avoir du recul. Ou soit d'autres ont eu peur. Parce que Babang sera toujours. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Zolingo Fossilé dans le Kunga. Ah, les gros poissons. Et gros poissons, c'est un concept creux. Qui est gros poisson? Oh, il y a des noms. Et tout ça, poule de mort. Pourquoi tu ne peux pas. Donc, les jeunes doivent postuler. Parce que ici, là, tu ne vas pas te plaindre. Ce qui va bimissionner dans la nomination. Parce que nomination, ils ont dépendre, on n'a pas partage par rapport, il y a parti en place qui sont dans l'Union sacrée et qui ont des députés. Tu vois, maintenant, tu as l'occasion d'aller faire prévaloir Nini au Bungi. Mais il y a un compromis, il y a un quota. Ça, c'est en fait, voilà, donc c'est de l'opportunisme. Il faut se faire prévaloir, il faut aller dans la compétition. Mais si aussi tu n'es pas passé député, sois élégant. Et puis, ce n'est pas la fin du monde. Obama est devenu président de la République. La première fois qu'il avait postulé, il n'a pas forcément gagné. Il a été battu à plate couture. C'est le processus de la vie. Soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. Avoir conscience. Il ne faut pas que les jeunes aiment la facilité. Facilité, ezakoluka kota, ezakoluka ba nomeyo, mais tu es incapable maintenant d'entrer. Nani siko apekisi. Moutoumo kota apekisi. Donc, il faut y aller, il faut être stratège, il faut montrer ton projet de société, ta vision de la vie, comment tu vas changer les choses. Le parlementaire, c'est quoi? C'est celui qui sait d'abord comprendre les enjeux sociétaux et les défendre. Ça, c'est très bien. Et les défendre, ça demande que tu puisses avoir la facilité et l'aisance de parler. Ça, c'est très important. Tu parles très bien, tu es aisé dans la façon de parler parce que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Au Parlement, ce n'est pas un lieu, voilà, il lit Koukouma. Pas au sens propre du mot.
parce que nous avons moi les coucou. Ça veut dire des gens qui savent justement mettre les mots dans la place qu'il faut. Ça, c'est un. Mais deux, c'est les gens qui savent confectionner de lois ou bien se faire entourer pour les besoins de la cause. Et c'est des gens qui sont observateurs, qui sont issus de la société. C'est comme ça que je dis que l'engagement politique, c'est une conséquence de l'engagement citoyen. Si tu n'as pas une cause pour laquelle tu t'es battu, tu auras du mal. Et si les gens comprennent ça, ils comprendront quel type de député tu vas voter. Parce que toi, tu veux aller au Parlement, pourquoi? Est-ce que tu me connais? Oui. Est-ce que tu sais que je suis compétent? Oui. Est-ce que tu sais que je parle bien? Oui. Est-ce que tu sais que je peux défendre une idée? Alors pourquoi tu me demandes pourquoi je dois aller au Parlement? Pourquoi je vienne te convaincre sur le truc? Donc, il faudrait qu'il y ait une suite logique. Est-ce que est-ce que j'ai fait du bien aux gens? Est-ce que Nalobaka bien? Est-ce que Naza capable y a causé idée qu'au présentant? Mais c'est justement ça. Namanza était commis presque na souka émission avant que Sikawa Nabanza était bananino sur Congo Live Télévision. Mon amboka est jeune Kandolo na casquette y a coach face à la caméra. Jeunesse congolaise attente défi perspective. En tant que coach, je suis ici au casquette, face à la caméra, face à la jeunesse congolaise. Quelles sont tes motivations? Je ne sais pas si je suis le mieux placé de parler à la jeunesse congolaise, mais en tant que mentor, en tant que coach, j'endosse cette casquette. Et surtout que je suis en train de vous préparer mon livre qui arrive dans quelques jours, dans quelques semaines. Héritage, autopsie de la jeunesse congolaise pour un nouveau paradigme d'avenir. Toko beta masolo, il y a comment bilingue, bako milingue le pona avenir ya Congo, pour participer na développement na contribution. On va partir de ce qui n'a pas marché. Comment ba faut pas ya bilingue, ngapé, je fais partie de ce groupe-là. Comment nous avons eu de combats réels ou supposés, mais comment nous avons fait dans les associations des jeunes, ba parcours. Qu'est-ce que nous avons pu obtenir? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les associations, elles ont opportunisme, tôt, elles ont nécessité? Ce qui est important, c'est que Moutouna Moutouazan a un rôle à jouer. Chaque jeune a une partition. La jeunesse, c'est une période passagère. Et si tu ne sais pas capitaliser pendant ces moments-là, tu vas regretter après. C'est maintenant où il faut s'aiguiser. C'est maintenant où il faut développer des valeurs. C'est maintenant où il faut être bien avec les gens. C'est maintenant où il faut s'aimer l'amour, s'aimer l'assistance, s'aimer les compétences pour que demain ait l'obélaïo. Parce que nous avons un pays à construire, nous avons des rêves à consolider, nous avons un rêve congolais à construire pour que Ekende du rêve congolais au rêve africain, parce que nous avons cette vocation en tant que grand pays. On se donne rendez-vous, jeunes, allez aux élections. Ceux qui n'ont pas postulé au niveau de la députation nationale, je vous encourage à postuler au niveau de la députation provinciale, au niveau des conseils communaux et municipaux, mais ayez conscience du rôle que vous devez jouer. N'y allez pas juste par effet de mode. Mais ceux qui hésitent et qui ont les compétences, allez-y, je vous encourage. Soyez aussi massivement des électeurs. Ne suivez pas les bruits de sirène. Nous avons une histoire à consolider. Pour le moment, nous avons la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée deux fois. Cette constitution veut que notre pays soit dans un processus démocratique des élections qui viennent chaque 5 ans. Profitez de l'occasion pour nous donner une nouvelle classe politique, une nouvelle race des Congolais qui vont présider aux destinées de notre pays et donner au pays des bonnes initiatives et des bonnes actions. Donc, à très bientôt. Nabanzaïte et Nalandaki, félicitations d'abord d'avoir intronisé votre fils. Et c'est là qui est Sikao yo naloba qui voilà bateau tokozé la pour na relève ya République démocratique du Congo. Il ne faut pas, et je l'ai dit, bien que c'est pas ma phrase, mais j'aime beaucoup ça. Il ne faut pas seulement préparer l'avenir pour les enfants, mais il faut préparer les enfants pour l'avenir, et c'est très important. C'est très et important. Moi, je ne serai pas gêné du tout que demain je sois président de la République et qu'après moi, ça soit mon fils, s'il est compétent, s'il a fait ses preuves, moi, je ne serai pas. En fait, il ne faut pas que les gens puissent dire qu'ils ont compromis à l'africaine. Donc, il faut donner des compétences aux gens. Et après,
On se bat pour ça. Si par exemple tu es né dans une famille Oyo, Mbongo Zaké Belete, Babunde Belete, Yomto, Yaliboso Bando Bunda. Mais tu ne vas pas préférer que Nengozo Bunda, de la même façon, Bando Babunda Bongo. Parce que tu l'es fait pour toi et aussi pour des générations. C'est ça la logique de la bénédiction. Alors il ne faut pas refuser aux gens de propulser leurs enfants et il ne faut pas refuser aux enfants compétents d'aspirer aussi, d'avoir des ambitions parce que vous voulez les limiter au niveau de la famille. Comme si quand quelqu'un devient quelque chose, donc il a pris tous les quotas de la famille, non. Quels sont les rendez-vous à attendre na Katia et à coach na batoba causer la place ni bon na ko kende tourner na ko kende tourner en province après valeur ajoutée au tosala qui les 20 mai na showbuzz oyo et tondaki batoba sepela qui ils ont été challengés sur le plan intellectuel, sur le plan moral et sur le plan spirituel parce que tosaki na papa na ngai apôtre Roland Dalo qui avait parlé de l'aspect spirituel et la place des dieux dans la construction de sa légende. Kobo Sanate que Temezaki bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Les gens ont été beaucoup challengés, impactés et il y a eu des demandes dans la province. Bon, selon les moyens, na pending agenda et autres pays, donc on a 4 dates. On a Mbujimai, on a Lubumbashi, on a Likasi et on a Kolwezi pour le moment. Prochainement, mais on est dans cette lancée parce que c'est aussi une vocation pour moi. Donc, qui coachouana, qui voilà, qui apporter quelque chose dans la réflexion, dans la construction, et ça l'aura toujours bien. Et tant que on est appelé à ça, on va le faire avec plaisir. Ok. Et pour naba Kongouman, il y a un peu ça, pour ça, il y a cause à peut-être challenger, coacher. Numéro de téléphone. Ah, ok. Numéro plus 243 81 291 46 31. Plus 243 81 291 46 31. C'est mon numéro. Donc, à tout moment, c'est le numéro WhatsApp et Koleka. Et puis, tu peux échanger. Nazaka open, nazaka réactif et interactif. Donc, voilà. Nabanzayete et lelo oyo matondo mingi na ndengo ndi maki invitation. Ngainde na tondi bino parce que exercice ezaki malamu surtout ba émission ya Lingala bato ba mingi na naza trop le poto na wa français le roi sokine nini mais en fait c'est vraiment exercice kitoko na sepeli vraiment ningo ya mbingai. C'est vrai que tu rattaques deux, trois fois, tout ça. Mais tu as été une invitation et commis. Moi, je suis à l'aise. À l'aise, surtout que tu es voilà, la langue de notre armée, parce que l'armée est officiellement l'ingala. Donc, la langue au Pena, la plus belle langue d'Afrique, les lingala. Donc, ils ont quitté Koto Toloba comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses où ils ont caché. Quand on parle de fois, peut-être en français, les gens ne comprennent pas. Je crois que les gens vont commencer à ouvrir un peu l'œil et le bon. Ah, c'est les arabes. Ah, voilà. Donc, c'est vraiment. Na sepeli makasi. Na banzayete matondo mingi na bino pe balandi ya Congo Live Television de partout oyo bozwaki biso de partout oyo bolandi biso na banzayete bande konyoso ya diaspora tozali na bino de cœur ezali pe moko ya ba suggestion pe ba message oyo bokutindela kabiso par rapport ya ba sujet oyo tokolobela esengeli pe na bato oyo bayi na maîtrise ya makambo tokobeta parce que cause ya République démocratique du Congo ezali pona ba congolais oyo tokoloba ete moto akobongisa Congo ezali ka Congolais, ils sont étrangers. Nabanza été, ils allaient mela auto kubeta pour que Congolais ne soient akoyoka. Ngo bino bande konabi sur bazali na Est et République démocratique du Congo. Tous allaient na bino de cœur parce que situation ne soit auto komo na wana. Ils allaient bah ini à République démocratique du Congo. Ne ba kos faire subir bino yango. Lokola moi na mboka zali à la tête à République démocratique du Congo. Tôt ou tard. Kimier kozonga na partie est ya mboka na biso na pesi bino matondo mingi bo continuer ko sala biso confiance na Congo Live Television mosala o bino botinda biso to ko continuer ko sala yango na pesi bino matondo mingi to kutani na mikolo ezali koya. Oh, yeah.